Bonjour fidèles téléspectateurs et émission Planète de Découverte. Merci de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs pour l'émission Planète de Découverte. Allélo. Nous avons la clinique Zoé et maternité. Nous avons l'Italie couple. Si je me regarde très capital, très important. Nous avons l'Italie la stérilité sur toutes ses formes. Nous avons la plupart des couples dont le mariage a 10 ans, 20 ans, au-delà même, ils n'ont pas des enfants. Nous avons la cause de la stérilité Zanini. Nous avons le docteur Joseph. Bonjour docteur Joseph. Bonjour madame. Docteur Joseph, c'est quoi vraiment la stérilité? Oui, comme vous venez de le dire, la stérilité, c'est l'absence des enfants dans un couple qui est normalement ensemble, ou l'absence de fécondité, ou de la fertilité dans un couple qui est normalement ensemble. Bon, la durée dépend de l'auteur à l'autre. De 6 mois à 12 mois, on parle déjà de stérilité, soit de 12 à 18 mois, voire même 24 mois, 2 ans, on peut parler d'une stérilité. Pourquoi vous avez choisi ce sujet autour de la stérilité? Et ça par rapport à Nini? Une question très capitale. Je suis consulté de part et d'autre par les couples. Ils me parlent toujours qu'on a été telle part, on n'a pas eu du changement. On a été consulté telle part, on n'a pas eu de bons résultats à ce qui concerne avoir des enfants. J'ai vite compris que non, malgré, je suis dans la médecine intégrée qui parle aujourd'hui de prendre la médecine moderne alliée à la naturopathie ou la phytothérapie. C'est pourquoi j'ai préféré exposer avec vous ensemble sur la stérilité pour une bonne prise en charge avec des recettes à base de plantes. Parce que je reçois beaucoup de femmes, je reçois beaucoup d'hommes qui me posent toujours une question. Est-ce que tes recettes à base de plantes vont finir ce qu'on a comme problème sur la stérilité? Et je le dis toujours, trop parler ce n'est rien plutôt que s'engager. C'est un peu ça. Ce qui m'a poussé à exposer sur ce, c'est pour leur dire, non, quand ils viendront me voir, tout sera mis au clair parce qu'on va chercher en profondeur ce qui se passe, la cause des causes. Ok, docteur Joseph, une minute d'abord. Tout le monde est populaire de Gondabiso, appartenant au monde, à Tibou, à Ngaïba. Quels sont les causes de la stérilité? Ils ont vraiment une idée. Ce n'est pas la cause, c'est des causes. Parce qu'il y a plusieurs causes qui peuvent occasionner un état de stérilité. Dans un couple normalement ensemble, tel qu'on a dit, je préfère débuter d'abord chez l'homme. Parce que les causes sont classifiées selon les sexes aussi. Chez l'homme et chez la femme. Mais je préfère qu'on débute chez l'homme. Chez l'homme, nous avons un problème d'éjaculation précoce, par exemple. C'est-à-dire, l'acte sexuel à ses minutes recommandées. Si l'homme ne parvient pas à atteindre les minutes recommandées pour éjaculer, il y aura un problème. C'est parmi aussi les causes de l'azoospermie. Mais quelles sont les minutes recommandées? Les minutes recommandées, c'est comment alors? Les minutes recommandées pour éjaculer? Oui, ça dépend d'un auteur à l'autre. Mais sinon, en général, on nous recommande 7 à 10 minutes, voire même 15. Au-delà, c'est déjà une pathologie. En dessous, c'est déjà une pathologie. Tu vois un peu ça? Au-delà de 15 minutes, c'est une pathologie. En dessous, c'est une pathologie. Parce que en éjaculant précocement,
on peut assister aussi à un problème qu'on appelle azoospermie, absence totale de spermatozoïdes, qui est dit peut-être par un gène au niveau des canaux déférents. Les cellules productrices de spermatozoïdes se trouvent au niveau des testicules. Quand ça produit les spermatozoïdes seront stockés au niveau des épididymes. Et après, pendant l'acte sexuel, les mêmes spermatozoïdes vont se rencontrer avec les liquides séminales, qu'on appelle liquides spermatiques, pour pouvoir sortir maintenant dans des canaux hydro-éjaculateurs. Si la personne a un problème d'azoospermie, il risque d'éjaculer seulement le liquide séminal pour ne pas éjaculer les liquides et ses contenus, les contenus qui sont des spermatozoïdes, par exemple. En plus de cela, il y a ce que nous appelons torsion vaginale. Torsion vaginale, c'est quoi? Chez l'homme ou chez la femme? Je suis chez l'homme. Quand je parle de torsion vaginale, c'est chez l'homme. C'est-à-dire, tous les canaux différents, les canaux vaginaux chez l'homme, forment des nœuds, des trucs sous forme de nœuds. Quand ça forme des trucs sous forme de nœuds, ça va empêcher les spermatozoïdes à passer, quittant les épididymes vers les canaux hydro-éjaculateurs. Et en dehors de ça, les infections sexuellement transmissibles en répétition, telles qu'on a dit là, même la varicocèle ici. La varicocèle peut occasionner aussi un problème des gènes. Donc la varicocèle en soi, lui va détruire d'abord les cellules productrices des spermatozoïdes au niveau des testicules et il va encore créer un état de gènes au niveau des canaux qui vont ramener les spermatozoïdes vers les épididymes. C'est l'une des causes aussi. La psychologie, le stress. Ah bon? Tu peux me poser la question comment un état stressé peut occasionner un problème de stérilité. Il y a beaucoup d'auteurs qui en ont parlé sur la stérilité concernant la cause psychique. Parce que tout est contrôlé au niveau de l'hypothalamus ou l'hypophyse. Donc c'est un système de communication qu'on appelle hypothalamo-hypophyso-ovarien. Ou soit hypothalamo-hypophyso-organique, parce que nous sommes chez l'homme. C'est-à-dire, pour éjaculer, tout ce processus-là est contrôlé par les hormones. Surtout les androgènes chez l'homme, comme on parle chez l'homme. Testostérone aussi chez l'homme, de telles choses. Alors, la varicocèle est aussi l'une des causes, comme on parle des causes. En dehors des varicocèles, il y a aussi un problème de malformation des spermatozoïdes. La personne peut avoir ses germes, mais qui ne sont pas en bon état. C'est comme des enfants mal formés, non? Donc, les spermatozoïdes à double tête, les spermatozoïdes à double queue, les spermatozoïdes macrosomiques aussi, donc avec une taille qui ne permettrait pas d'entrer dans l'ovule de la femme pendant la période féconde, lors des rapports sexuels. Donc, quand l'homme éjacule, les spermatozoïdes, comme ils sont mal formés, ils ne savent pas accéder dans l'ovule de la cellulité chez l'homme. Je peux parler aussi d'un pénis court. On nous dit c'est une maladie ou c'est un pénis court. Un pénis court, c'est une malformation congénitale, parce que la personne naît avec cette pathologie-là comme ça. Mais nous devons faire quoi? C'est-à-dire, lui, au lieu de déposer les spermatozoïdes à un niveau qui est recommandé pour accéder, franchir l'exocol, entrer dans l'endocol, donc la face vaginale de col qui est en contact avec le vagin, pour entrer maintenant dans l'endomètre au niveau de l'utérus, ces spermatozoïdes-là ne savent pas atteindre ce milieu-là. Pourquoi? Parce que l'homme éjacule juste à la vulve, à partie externe vaginale de la femme. Donc, sur juste ses grandes lèvres. Alors, on nous dit, d'après les chercheurs, que ces spermatozoïdes seront détruits à 90% au niveau vaginal. Vous pouvez même passer ça même en Lingala. Nous avons au hasard un pénis court. Maintenant, comment il va faire? Alors, ça n'est ni le même Lingala pour votre naissance. Un pénis court, c'est irréductible. Il faut être à la naïe Gabon. En tout cas, on est ni docteur. En tout cas, il n'y a pas de traitement pour la moutabon. Pour moi, je te dis, il n'y a pas un traitement. Comment alors? Parce que si on va donner des recettes à base de plantes,
À l'âge de 40 ans, il aura ce qu'on appelle hydrocéphale. Donc, un problème de hydrocèle plutôt. Donc, le pénis là va faire ça. En lingala, docteur. En lingala, je ne connais pas un terme. Un terme. Il ne saura pas se mettre en érection. Ce qu'on a au pénis. Ça, ah. Alors, c'est un peu ça parmi les causes. Un pénis court peut aussi assister à un problème de sédité selon les normes des chercheurs. Comme nous sommes toujours chez l'homme, on a dit aussi un problème hormonal. Quand on parle des hormones, on va voir. Parce que, comme nous parlons de stérilité, tu sais qu'il y a d'autres causes dont la personne ne sait pas respecter les positions requises. Et ça va, mais comment la personne a évité que. Beaucoup de positions selon la classification de l'utérus. Je ne connais pas le terme là en lingala. Je ne connais pas. Même bilingue. Deuxième cause de la stérilité chez l'homme, on a parlé des infections avec la chlamydia, on a parlé de l'éjaculation précoce, on a parlé aussi de syphilis, de blénorragie, de telles choses. Mais non, chez la femme, quelles sont alors les causes de la stérilité? Chez la femme, il y a beaucoup de problèmes. Tu sais qu'un pH vaginal acide, les liquides rencontré dans les milieux vaginaux de la femme, si c'est trop acide, ça va occasionner encore un problème de stérilité chez la femme. Pourquoi? Parce que ça va détruire toute la quantité de spermatozoïdes éjaculés dans les vagins pendant le rapport sexuel. Donc on détruit tout. On ne sait pas avoir une quantité qui va accéder dans l'endomètre vers la trompe pour la fécondation normale. Donc pH vaginal acide, c'est parmi aussi les causes. Déplacement des cols utérins. C'est pas l'école littéraire, non. L'école de l'utérus. C'est parmi aussi les causes. Donc chez la femme, la frigidité. Il y a de ces femmes-là qui ne veulent pas être touchées par les hommes. Mais qui acceptent à ce que les parents donnent des dotes, des prédotes pour s'engager dans les mariages. Mais tant que chez elles, il y a aussi un problème carentiel des hormones. Ça fait occasionner aussi un problème de stérilité. En dehors de ça, on a parlé des troubles de règles. On a dit qu'il y a beaucoup de sortes de troubles de règles. Dysménorrhée, polyménorrhée. C'est comment alors, docteur? Polyménorrhée, la femme fait des écoulements au-delà de 7 jours. Ah bon? 10 jours. Ça, c'est une maladie? 14 jours. Oui, c'est une maladie hormonale. J'ai des recettes à base de plantes qui vont résoudre à ça. Cryptoménorrhée, par exemple, les règles cachées telles qu'on avait dit là. Ça fait aussi occasionner à de tels problèmes. Utilisation des pilules. Ouais, nos jeunes gens, nos jeunes filles aujourd'hui, ils utilisent des contraceptifs oraux, des produits pour prévenir la fécondation, pour bien se prostituer, soit faire sa vie. Tu vois un peu ça? C'est là ça aussi de l'impact à la langue, la personne peut se retrouver dans un état de stérilité. Ah bon? Oui. Voire deux fois par mois, par exemple. Après chaque 2 semaines, la fille voit des règles. Ou soit la femme voit des règles. C'est parmi les causes qui peuvent faire à ce que la femme tombe dans cet état-là. Ménopause précoce, tu sais ça? Une fille à l'âge de 35 ans avec la ménopause. Comment? Ou soit 30 ans. Elle ne voit pas les règles. Oui, un problème carentiel de la nutrition, un problème hormonal, un problème psychique. Non, une telle personne peut faire quoi? Ou héréditaire. Ils viennent seulement me voir. Il y a des recettes à base de plantes pour résoudre ça. Il suffit de rechercher la cause. Les signes de la stérilité. Les signes, on en avait déjà parlé que ça dépend d'une maladie à l'autre. Si la personne est victime des infections, ça sera le signe des infections. Si c'est un problème de myome ou kyste ou quoi que ce soit, ça sera le signe caractéristique de la maladie. Mais donc, quels sont alors les types de la stérilité dans le monde, hein? On avait dit qu'il y a primaire, oui, et secondaire. Mm-hmm. Primaire, c'est les couples qui n'ont jamais mis au monde. Secondaire, même si vous avez 2, 3, 4, 5. Et qu'il y ait des années de stérilité. C'est 5, enfants, 4, c'est pas être stérile ça. Oh, ce n'est pas un cas compliqué. C'est un cas qui se traite parce que c'est la stérilité secondaire. Oui, il y en a ceux-là qui cherchent à avoir même 20. Ah bon? 30, oui, c'est de votre avis, hein.
de télévision, il y a mon nez, chaîne à solo, net tu es un impact, banaki international, bana poto, bana Luanda, tout à l'heure, on est ming, ça faut aussi télévision, tout à l'heure, on a gagné, on a tout hasard. Ça l'a posé. Ça faut aussi télévision qui n'y a pas. Ça faut aussi télévision qui n'y a pas. Minimum dans ce système qui n'y a pas. Bâton à yot. Yot. Dans le blague. Bâton à yot. C'est tout yé. N'engaton à yot. Yé moutaïf c'est là que ça faut aussi télévision qui n'y a pas tout. Et ça qui toque. Et ça qui toque au macas, chaîne et la bise. Et ça qui toque au maman, ma tout en bourreau, toque. Oh, vous m'avez le gros, toque, vous m'avez. Ça faut aussi télévision, la bise. Et ça qui toque. Et ça qui toque au macas, chaîne et la bise. Et ça qui toque au maman, et ça qui toque au macas, guignata. Ah, tu sais, guignot, guignata, pas moi, y'a là, pas moi. Pas moi, tout va dire, on a tangi, pas mon caca. Guignata. Ah ça bon? Cause aussi, oui, ça cause aussi, ça. La préoccupation soit nette et claire, c'est-à-dire venir me voir et je vais étaler la matière. Parce que je sais que, tel que nous sommes là, nous sommes sur un terrain mixte où il y a les parents, où il y a aussi les enfants. C'est un peu ça pour l'homme. Ok, donc vous avez cité par rapport à l'homme, sécurité étale l'homme. Maintenant, pour la femme, quelles sont les causes vraiment il y a sécurité chez une femme? Oui. Pour la femme, il y a aussi beaucoup de causes. Lesquelles, par exemple? Qui peuvent occasionner un état de sécurité. Par exemple, les troubles de règles. Tu vois un peu ça? Les troubles de règles, les infections. Une femme qui va deux fois le mois, par exemple. Un état de cryptoménorrhée et règles cachées. Mais il faut savoir se cacher à quel niveau. Parce qu'il y a trois niveaux où ces règles peuvent être cachées. Soit au niveau de l'endomètre, soit au niveau. Il y en a marre. Et puis, en dehors de ça, on peut assister à un problème de kyste. Soit au niveau des ovaires, soit au niveau de la trompe, soit au niveau de l'endomètre ou de l'utérus. Myome utérin, par exemple. Un problème de bouchage des trompes. Et puis, sur le sujet là, bouchage des trompes, il y en a aussi trop. Parce qu'il faut savoir, avant de faire la technique même moderne qu'on utilise, moderne l'hydrotibation, il faut savoir quel type de bouchage. Parce qu'il y en a plusieurs sortes de bouchage. Mais avec des recettes à base de plantes, je suis à mesure de tout enlever, tout déboucher, pour aider la femme à avoir un bon libre passage de l'œuf. Hein? Et puis, en dehors de ça, il y a aussi un problème nutritionnel, hormonal. C'est pourquoi je vous ai dit qu'il y a beaucoup de causes qu'on peut chercher à développer. Même les problèmes au niveau de l'hypophyse peuvent faire à ce qu'il y ait aussi un cas de stérilité chez la femme. Maintenant, la stérilité chez l'homme, est-ce que l'âge est une bande quand vous avez été stérile ou à combattre? Oui, la stérilité chez l'homme, quand on parle de la stérilité, on va les marier. Ce n'est pas tel que tu es là célibataire. Ah, bon? Ah, tu peux me parler, comment puis-je t'expliquer de la stérilité chez ton homme? Le problème qui est là, c'est qu'on peut avoir des causes héréditaires, ou soit des causes acquises dès l'enfance. Là, ça peut contribuer et ça va se manifester, c'est quand l'homme va se marier. Tout comme chez la femme aussi. La femme peut, comme les jeunes filles, peuvent avoir des troubles de règles en train de geler ça, les infections à répétition ou quoi que ce soit, mal soigné. Par exemple, les infections à chlamydia, la syphilis, blénorragie. Alors, si ce n'est pas détecté avant, quand tu vas te marier, ça aura de l'impact
sur la reproduction. Docteur Joseph, quels sont les signes que Moutala est stérile? Le signe, bien sûr, dépend d'une maladie à l'autre. Parce que quand on parle de la stérilité, on voit l'installation d'une maladie quelconque dans l'organisme, soit une perturbation fonctionnelle. C'est-à-dire, quand tu as la blénorragie, par exemple, une infection sexuellement transmissible, il y a des signes, les urines qui font mal, la personne peut uriner du pus, par exemple. On peut assister aussi chez la femme, ou soit chez l'homme, des manifestations cliniques appropriées à l'infection en cause. Si vous avez un problème de kyste ou myome, vous allez présenter les signes liés à un problème de kyste, soit des myomes utérins. Alors, quand vous allez venir nous voir, on saura détecter la cause de votre stérilité, c'est à quel niveau. Parce que ce qui fait chez nos confrères, les phytothérapeutes, en eux, ils ne se retrouvent pas parce qu'ils ne savent pas d'abord détecter la maladie, rechercher la cause des causes dans ce sens-là. Est-ce que, docteur, il y a des causes où est-ce que Mouto n'est pas marié, mais parmi les signes que vous avez cités, il y a stérilité, hasard chez la femme ou chez l'homme, ceux qui a soigné en hauté, est-ce que ça a des conséquences à la langue ou comment? Oui, c'est ce que je viens de dire. Il y a beaucoup de maladies que vous pouvez négliger qui, à la longue, quand vous allez vous engager dans votre vie conjugale, peuvent vous occasionner un problème de stérilité. Par exemple, j'ai parlé de chez jeune fille aujourd'hui, non? Une fille qui va le règle après 2 mois, et après 2 mois, il va encore le règle. Elle trouve ça normal, non? Sauter 1 mois ou 2 mois pour voir le mois prochain, c'est une pathologie qui va déranger l'ovulation. Et puis, voir même 2 fois par mois, par exemple. Après 2 semaines, elle va les règles. Ou voir le règle pendant 14 jours ou 10 jours, par exemple. Pour les jours normaux, tu connais. Ça prend de 4, 5, voire même 7. Docteur Joseph, quels sont leurs types? Il y a stérilité. Oui, alors, expliquer Batoua le Kondabiso. Oui, ils ont maintenant. Oh, madame, ça c'est ton avis. Il y a de ces couples-là qui désirent mettre au monde 12, 20, 30. Ah bon? 3 ou 2, 3, il y a besoin de la stérilité. Oui, ils ont. Vous êtes déjà mis au monde, il n'y a pas. Vous êtes déjà baboti. Oh, oui, si vous venez me consulter, je n'ai qu'à vous orienter, mettre des recettes. Avoir déjà 2 enfants, 4 enfants, c'est déjà beau. C'est déjà trop. Oh, je t'ai encore dit, c'est pas. C'est ça ce que j'ai dit. Moi, je préfère avoir, par exemple, 9. Tu vois un peu ça. L'autre va te dire, moi, je préfère avoir 20. L'autre va te dire 15, l'autre va te dire 3, l'autre va te dire 2. Donc ça dépend d'un couple à l'autre. Sinon, la stérilité secondaire, c'est après avoir mis au monde 1 ou 2 ou 3 ou 4, 5, et vous avez eu une période d'accalmie qui n'a pas donné de produit de conception, d'autant d'années ou d'autant, oui, surtout d'autant d'années, par exemple. Là, venez voir Dr Joseph, on va rechercher la cause des causes et donner la solution avec des recettes à base de plantes. Docteur Joseph, Moutou et Moutou Zali, pour la votre parole, je vous remercie. Le traitement est à Moutou, on est à Botané, à se retrouver de la Bali. Maintenant, à stérile. Alors, ça, on est dans le traitement, on est à Panabino. Ça, ce n'est pas à parler sur les plateaux comme ça parce que c'est un secret professionnel. Si vous êtes malade, si vous avez une pathologie ou une perturbation fonctionnelle, venez seulement me voir et je vais vous orienter. Le coût n'est pas cher parce que je comprends déjà là où vous partez. On est tous là pour s'entraider. C'est un peu ça. Mais dans les traitements, ça m'a rendu traitement et stérilité. Ah voilà, la clinique et maternité. Merci beaucoup pour la question. Les traitements, c'est naturel. Parce que ici, je parle avec la médecine d'intégration. Malgré que je suis du côté moderne, mais j'ai fait l'intégration de la médecine naturelle, de la phytothérapie. J'ai des recettes à base de plantes, comme le cas de stérilité et les infections à répétition et d'autres causes qu'on a énumérées, kyste, myome et d'autres là. Ça a des difficultés à avoir de bons résultats avec la médecine moderne. J'ai des résultats escomptés sur des recettes à base de plantes.
Donc je vais juste prendre des recettes à base de plantes donneurs, après avoir diagnostiqué cliniquement et paracliniquement les cas. Cliniquement, c'est quand on va causer là, parce qu'on dit un bon médecin doit être un clinicien. Au travers les signes cliniques que vous allez présenter, je vais orienter sur le paraclinique pour avoir la certitude. Le paraclinique, c'est l'échographie, les laboratoires, par exemple, pour chercher avec quelques examens, identifier la cause principale de votre situation. Parce que quand on parle de la sérité, ça ne veut pas dire que la cause que peut avoir ce couple, c'est la même cause que l'autre va avoir non plus. C'est un peu ça. Avec la clinique Zoé, on va chercher pour savoir et ça demande la médecine moderne, ou soit on va recourir à la naturopathie ou la phytothérapie avec des recettes à base de plantes. Je pense qu'il y a beaucoup qui connaissent déjà cette méthode-là, parce que je l'ai fait de part et d'autre, et ils ont de bons résultats. Tout le monde a partout, par-ci, par-là, des traitements moussous-soupé, ça, un bon résultat, il y a besoin de consulter. Est-ce que ce n'est pas votre cas? Oui, les causes de la sérité sont classifiées sous deux formes. Parce que quand on parle de la sérité, on va chez l'homme et chez la femme. Bon, je peux débuter avec l'homme. Parce que quand on fait la consultation, ou quand tu pars pour être consulté, il faut savoir d'abord à qui tu as affaire. Parce que traiter une maladie, c'est comprendre d'abord la maladie. Moi, je t'ai dit, s'ils vont venir chez nous, la première des choses, c'est la consultation. Notre consultation, c'est pour rechercher la cause des causes, les facteurs favorisants. Tout ce qu'il faut, pourquoi cet état est arrivé. Et après, je vais demander les examens paracliniques. Ça ne veut pas dire qu'il y a une autre personne qui va interpréter ça. Moi-même, je vais interpréter ces examens-là pour orienter mon diagnostic. Et après avoir orienté le diagnostic, c'est fini. On donne le traitement à base de plantes, de recettes naturelles. Et ça va partir. Même si les infections ont fait beaucoup d'années, traumatiques, compliquées, chroniques, même s'il y a quelle situation, même bouchage de trompe, tu en as subi des hydrotibations en hydrotibation. J'ai des recettes à base de plantes qui vont résoudre à ça. Et ça va partir. Traumatiser encore avec des hydros là, bon, c'est une technique bien sûr qui est pratiquée de part et d'autre. Mais moi je vous dis, Dieu nous a donné aussi des recettes naturelles qui ont la capacité de soulager ça facilement. Les problèmes de bouchage de trompe, troubles des règles, quoi que ce soit. Parce que tu peux être jeune tel que vous êtes là, mais ayant déjà une pathologie qui nécessiterait, une maladie qui nécessiterait de venir me voir. Il faut venir vite me voir pour prévenir. Vaut mieux prévenir que guérir, oui. C'est très bien pour la question là. Je pense que c'est une question qu'on me pose de part et d'autre sur l'échec au traitement. Oui. Je pars déjà à ton idée, l'échec au traitement. Chez nous, c'est très difficile d'avoir l'échec au traitement parce que je vais rechercher la cause des causes. Un, deux, j'ai des recettes. Je pense sur nos téléspectateurs d'aujourd'hui, il y a ceux-là qui ont déjà goûté les recettes à base de plantes venant de Dr Joseph. Je pense qu'il n'y aura pas de déception, il y aura toujours de bons résultats. Parce qu'on ne traite pas la sérité en général, mais nous allons traiter la cause. C'est un peu difficile d'exposer tout ici, parce que c'est un terrain mixte. Sinon, il y a trop à développer, il y a beaucoup sur la sérité. S'ils venaient me voir, on aura développé, il y a d'autres sérités qu'on va résoudre pour ne pas même donner des recettes à base de plantes. Depuis que vous avez dit que ça traitement et la stérilité, est-ce que après votre moutou n'a pas le droit au bout de la télé vraiment par rapport au traitement traduit moderne, il y a la beau tout qu'on sort, après par rapport avec vos hormones, est-ce que ça, quand on les a dit déjà? Comme d'habitude, j'étais toujours dit, j'ai du mal à amener les femmes sur le plateau. Il y a même beaucoup de femmes. Si. Avant, docteur. Il y a beaucoup de femmes qui ont mis au monde. Il y a beaucoup de couples qui ont reçu des enfants dans leur foyer, dont il y avait des difficultés. J'étais de part et d'autre pour ne pas avoir du changement.
Mais trop parler ou soit dire que amener des femmes, tu m'avais dit ça, non? Amener des femmes ici ou témoigner, ça peut être bien. Mais il faut que ça soit une réalité palpable. Le problème qui est là, c'est que quand vous allez venir, moi je serai tout orienté et il y aura de bons résultats. Ils vont donner naissance. Que j'ajoute encore au nom du Seigneur Jésus-Christ. Comme la souka émission la biso mot de la fin la bateau bandi biso partout dans le monde dans sa petite vie pour l'ensemble des gens bravavi qui m'ont dit babali baïba ceux qui vraiment baillé à la docteur on a vraiment capable de nous le bien on a vraiment bien on a vraiment arrêté à la mot de la fin par rapport à l'émission la biso. Merci beaucoup pour leur temps d'abord disposé. Le problème qui est là, c'est que ceux qui me connaissent savent déjà ce qu'il dit là, c'est une réalité. Venez massivement, il y a trop à développer. Il y a trop à parler et à rechercher dans ce cas et vous ne serez pas dessus. Venez, on va rechercher tout parce qu'il y a des appareils, des examens qu'on va faire. Ce n'est pas comme ailleurs, m'amener un protocole que je n'ai pas demandé pour dire j'ai ça, 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 non. Moi-même, je vais d'abord demander les examens et orienter les diagnostics, traiter avec des recettes naturelles. À base de plantes, ça va aller. Même si vous voulez double-double, ça va toujours aller. Mais sinon, venez, on est disposé. Votre adresse, votre numéro de téléphone, oui, on est sur Avenue Bossango numéro 1, à l'entrée Siforco, à 60 mètres du boulevard Lumumba. C'est là la clinique Zoé et maternité, sur Massine Siforco. Mon numéro c'est 085-394-9317. Vous pouvez encore épeler ça? Oui, 085-394-9317. Fidèles téléspectateurs et émission Planète Découverte, nous sommes bien à la fin de cette émission. Merci d'avoir suivi cette émission partout là où vous étiez. Tout ça qui bon la clinique Zoé et maternité, Ezali Bongo na Avenue Bosango, numéro 1 bus na quartier Matadi, référence 60 mètres, il y a marché Hindou, sur boulevard Lumumba, la commune Yamassina. Bien mon retour à la docteur Joseph Dinga Lobby, à la clinique Zoé et maternité, la clinique de traiter dans l'état de stérilité. On a vu que maman Molanda qui soit parent Molanda qui nous a un problème dans le couple. Bon, il n'y a pas docteur Joseph dans la clinique Zoé. Ah, on a commis la machine à Bourgosa, jamais dessus parce que on va confirmer qu'il y a vraiment, il y aura vraiment résidé à Malam. On a vu ce qu'on a recontacté. Gastronomie 85, je mettrai tomate quand nous avons sauvé. On a parti à Nda qui a bureau, nous avons commandé frites, mettre tomate à Zahana pour Nabino. Ou bien mettre tomate dans 081. 380-14-21. Malobi hors pair Moussa toujours qui tourne avec les enfants de la rue. Hein. Vous soutenez hors pair. Vous contactez hors pair dans 099-81-82-504. Anouk a toujours Moussa qui tourne avec les formations en esthétique, coiffure et tout. Vous contactez Anouk et Zabon Bongolo, non loin à Kimwenza. Je vous sente Dieu à Tibou, à Rabisson, quelque part. Rabin dédicace à vous. Ça m'office Moundé, que maître Vice Moundé. Le bing coach, il y a ma soeur, il y a bing dédicace à vous. Agneau de Poule Londres, ma bing dédicace à vous. Salon Vandessa, il y a une dans ma solo. Le bossin était pour voir pour ça qu'il a été connu dans Londres, dans Katna. Allemagne, Delikin, nous, les poussons manager, la fortitude visuelle, la bing dédicace à vous. Kaneki, à coiffure, Moussa, toujours qui toque. Madame Rugur, un grand merci, madame, pour la Moussa, Nayo. Richard Sita, à Fouanga, toujours qu'on a la Mboka, à France, la bing dédicace à vous. De Bossante, Fred Hardy Massamba, ma bi Fred Hardy Massamba, mon frère, qu'on a la Mboka, Allemagne, ma bing dédicace à vous. 100% bio, papi Massita. En Arabie, ce qu'on a la Mboka, Allemagne, ma bing dédicace à vous, monsieur. Moté, ma mamie, tu vois, madame, respect, quoi. Dick Tibre Massamba, toujours dans beau calme, ma bing dédicace à vous. Y n'est spécialisé en coiffure, maquillage, pose angle et rasta. Merci à madame Maker Y de Baridol, Kuna Namboka Cameroun, ma bing dédicace à vous, madame. Pourquoi pas à Beauty Venta Skincare, madame Ingrid Meryl, merci pour votre gamme de produits qui donne un beau teint à toutes les personnes qui l'utilisent. Sans oublier Zuri, la Zuri, si ça de qualité, hein. Madame Bernadette, bing dédicace à vous, madame. De bonne sanité.
Vous avez bonne aventure aux États-Unis. Ma bonne dédicace à vous, maman. Je vous remercie notre moment d'amour. Je respecte à vous, maman. On te l'a tellement bien. Ma bonne dédicace. Fifi, vous la montez, Olivier Kankou, toujours dans les États-Unis. Ma bonne dédicace à vous. Je vous remercie à Soraya, Soraya qui a coupé ça en France. Je Guy Léger, Miré, toujours dans les États-Unis. Ma bonne dédicace à vous. Sans oublier, maman Chantal Aboire, qui est en Belgique. Ma bonne dédicace à vous. Agnès Kounan Mboka à Londres, ma bing dédicace à vous. Tokoutani Mokola Mbalasima pour un nouveau numéro. Au revoir.